La 17e édition du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou Firo a tenu toutes ses promesses. Ce festival se veut un cadre d'expression pour les humoristes burkinabés et d'ailleurs, mais aussi apporter le sourire aux Burkinabés malgré le contexte difficile. Cette 17e édition a eu lieu hier au Sénaza à Ouagadougou. Le reportage de Issoufou Kabori. Souvent même tu viens qui elle n'a pas de quota. Mais moi, ma fou bien. Prestation humoristique et un public bien détendu. Bienvenue à la 17e édition du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou, FIRO. Un festival qui a pour vocation d'apporter le sourire aux Burkinabés malgré le contexte difficile. Avec la résilience qu'on nous demande à chaque Burkinabé, on l'a fait. C'est juste ça, on l'a fait. On a encore reçu notre pari. Vous avez rigolé ce soir? C'est notre objectif. Que vous riez, que vous ne vous soignez pas le rire, parce qu'on dit que le rire est thérapeutique. Et aussi, que nous puissions montrer aux yeux du monde que nous sommes vraiment résilients. Et je suis satisfaite. Face à un public sorti nombreux, des humoristes, à tour de rôle mettre l'ambiance dans la salle. Le FIRO 2024 convainc plus d'un. Il était de bon temps que le ministère chargé de la culture puisse marquer vraiment son soutien et féliciter à travers donc notre présence Madame Augusta Palanfo et l'ensemble de l'équipe du comité d'organisation de cette 17e édition pour que nous puissions communier avec des humoristes qui ont rivalisé vraiment de talent ce soir. Placé sur le thème humour, résilience et paix sociale, la 17e édition du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou FIRO rend hommage à ses partenaires à travers une remise de trophées. Un reportage.